Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder des stories des membres de la team Nasdas et notamment l'embrouille entre Farah et Asya. Et après leur vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et bon visionnage. Je vais ramener un prêtre ici. Dans tout le bâtiment. Il va purifier un peu là, toute la maison. Il y a trop de haram. C'est vrai qu'ils font beaucoup, beaucoup de haram. Non, mais toi le premier, frérot. Comment ça, moi? Toi le premier, frérot, je t'ai dit. Farah, t'es sérieuse ou quoi? Mais qu'elle est sérieuse là, Wallo. J'ai fait quoi, moi? T'as oublié? The Bibles? T'es le papa, tout le monde. Où est ton papa? Dis-moi où est. Vraiment, Tumsi. Style d'enfer. Look chic, chic, choc. Je sais pas lui. Non, faut l'éloigner de moi, si vous là. Tu vas où avec toi? Je fais un entraînement. Ah ouais? Pourquoi y a un nouveau combat bientôt? Non, même pas. Peut-être en vrai, je sais pas. Ah ouais? C'est possible. Tu t'entraînes? C'est bien. J'ai repris. Et d'ailleurs, moi aussi, j'ai la reprise bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu viens avec moi, là? Là, aujourd'hui, je peux pas. Vas-y. Parce que demain et tout, courbature et tout, je passe la journée avec ma mère. C'est le jour de mon anniversaire, tu connais. Ton anniversaire? Demain. Ah. Je passe la journée avec ma maman. Vas-y. On m'a dit que t'avais pas de quoi, un ami. Ça y est, c'est bon. Tu joues? Non. Tu joues Anaïs? Oui. Elle vient chanter. La meilleure chanteuse. Oh, incroyable. Vas-y, vas-y. Oh, incroyable. I'm a to made the bedroom man. À toi, Ella. Oui. Attends, enlève ta musique. T'es con ou quoi? Il me déconcentre. Attends. Enlève ta musique. T'es con ou quoi? Allez. Attends. Il me déconcentre. Call me better, but. Oh, rigolez pas. Vas-y, ouvre la bouche. Non. C'est bon, vas-y, mets la mousse. Vas-y, c'est bon. Attends, ok. Choose stay. C'est incroyable. Voilà. Attends ta grand-mère. Cet individu, il m'a dit, en une minute, je mange tout le plat. C'est bon? Tu perds, tu passes 50. Vas-y. C'est bon ou pas? Top, chrono. Wesh, wesh, wesh. Non, t'as pas le droit. Pas ça, pas toi. Chrono. Sors, je regarde non, pas. Non, non, je veux pas regarder. Je te dis, t'as 30 secondes. T'as 25. C'est bon, t'as niqué la moitié de l'assiette, c'est bon. Ta gueule. T'as 35 secondes là, moitié. 40 secondes. Tais-toi, là, tu dis plus là. Vas-y.
Il faut qu'il reste rien dans la pièce. Stop. Elle en veut plus. Et des carrefours, mais t'as perdu. Joyeux anniversaire, Farah, le sang. J'ai reçu énormément de messages concernant Asia. Je vais prendre parole, je vais mettre ça au clair une fois pour toutes et voilà. Samedi dernier, j'étais sur Marseille pour un événement fête de quartier. En tout cas, moi, j'aime le côté familial, fête de quartier, faire plaisir. C'est mon kiff. En tout cas, sur le soir même, il y avait le showcase de Asia. On s'est dit avec les autres, pourquoi pas aller la soutenir, la faire plaisir, partir d'une bonne intention. Et on l'appelle sur le chemin. Allô ? Je dis Asia, allô ? Elle me dit oui. Je lui dis on arrive. Et elle me dit, un gars de l'événement, clairement, veut pas que tu viennes. Nous, choqués, mais en connaissant Asia, un peu bizarre. Vu que j'avais le numéro de l'organisation, je l'ai appelé direct. J'ai dit, allô, voilà. Et il me dit, jamais de la vie. Au contraire, on savait pas que tu venais. Au contraire, ça nous fait plaisir que vous veniez. Venez, voilà quoi et tout. On s'est dit, bon, allez, les gars, on prend sur nous, on y va. On était sur le chemin, en plus de ça, on rentre dans le showcase, tout se passe bien. On voit carrément Asia au loin. Et on voit une sécurité qui s'approche vers nous. Déjà, on trouve ça bizarre. Et il vient, il nous dit, Asia, monte pas sur scène si votre présence est là. En gros, partez, ou sinon, Asia chante pas. Moi, choqué, tous choqués. Je savais plus où me mettre, tout le monde nous regardait. J'étais gêné, comme pas possible. Genre, mon grand frère à côté de moi, Asia, je n'ai jamais rien fait. Pourquoi ? Pourquoi ? J'étais mal. J'ai pris les gars, j'ai dit, c'est pas grave. J'ai du mal. En tout cas, j'en parlerai plus. Malheureusement, il y en a, ils prennent le melon. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est la vie. En tout cas, c'est mon anniversaire. Demain, j'ai envie de passer une très très bonne journée. Du coup, bonne soirée et merci pour tous vos messages. Merci pour la force, merci pour votre soutien. Et à bientôt. Bye. Donc, cappuccino tiré du bas, off avec deux F, son adresse sur Snap. Non. Vas-y, ma soeur, vas-y, mets tes habits, voilà. Hey, moi, c'est Aboula, Tunisien, Héli Sahar. Non, vas-y. Vas-y, ma soeur, voilà, mets tes habits. S'il te plaît, ma soeur. Voilà, la chouma, voilà. Hey, on sort. Les humains, on arrive. Deux qui viennent de Jupiter, on arrive. Que des mecs gros blindés. Un jour j'étais à la piste, ma cousine avec un gros. Hé,
laisse-les tranquilles, laisse-les, ils mangent tranquille, chouma alik là. Pourquoi le hogra, allez. Tu veux toi, vas-y, laisse les animaux tranquilles, voilà. Franchement, l'idée de Maël, elle est géniale. Il est artistique, ce mec, quand même. Tu peux lui dire ton idée, s'il te plaît, toi-même. TikTok, on était à la piscine avec un gros gadjo. Et toi, tu vas faire quoi? Moi, je vais... Ah, mais il faut une fille. Attends, on va chercher une fille. Mission, on va aller chercher une fille. Allez, c'est parti. Y a pas une fille. On repart en cherchant une fille. Croyez, Maël. Allez, Maël, tu sais pas les coins. Y a pas une fille par là. Hé, hey, Maël, quand on cherche une fille, on cherche en sous-marin, en technique 4-4-2. Tu vois comment, Khoué Laziz? Attends, on cherche, les gars. Mission, chercher une fille pour TikTok à Maël. Il n'y a pas de fille. Mettra même ça, allez, viens. On va trouver. Ah, ah. Hé, hey, désolé, Maïva. Hé, hey, t'es parti faire quoi, là? Faire des courses ou quoi? On t'a arrêté avec la trottinette, tu vas faire des courses. Allez, tu voilà. Vas faire un TikTok avec nous. Parce qu'on a besoin d'une fille pour le TikTok. Un jour j'étais à la piscine, c'était l'été, faisait trop chaud. Et toi tu vas faire la cousine et lui il va faire le ton gros gadjo. Tu vas faire un TikTok ou pas? Vas-y, c'est parti. Allez, let's go. Mais c'est pour le TikTok à Maïeb. Non, arrête, non. Vous voulez pas faire pourtant TikTok? Ouais, voilà. Il... Pourquoi vous avez des problèmes ensemble? Je sais pas, je l'aime pas. Je le laisse pas à la moto, mais il est en fou rire. T'es arrivé dans son moment, le moto, il est en fou rire. Oh, regarde! Touya! Celui-ci, je l'ai pris. Maïva, elle veut pas sur mon TikTok, mais pas sur le TikTok à la grève. Allez, Maïa, c'est parti, mon chou, viens. Madame Touya, on a besoin de toi pour le Dilax. Jibri, tu vas faire TikTok avec Maël? Vas-y, allez, c'est parti. Allez, c'est parti, bien Touya. Allez, bien Touya. Allez, c'est parti, le TikTok de Maël, je vous le mettre après. Hein. Restez branchés, les gars. Merci. Bonjour, mes arboulettes, comment allez-vous? Mes arboulettes? Sur Snap, il y en a beaucoup de Snapchatters. Moi, par exemple, sans story de la Nasdaq, si je la regarde pas, vous, mes abonnés, sur Snap, il y en a beaucoup de Snapchatters. Et je regarde aussi la story de Snoop Dogg, la story de Lil Baby, la story de House, Soul King, Benav, tu vois. Et aussi, Fait Divers 69. Oublie pas, il est là, je suis abonné. Fait Divers 69. Hey. Hey, j'ai fait un coup que toi, sauf que moi j'ai un moustache. Là, c'est moi, c'est un crayon. Ça fait un crayon ici. Ah, je peux le dire, moi je peux le dire, pas toi. Ouais, hein, ça fait pas. Hein? Mais non, mon frère, je t'ai fait la coupe dans ta tête, dans la tête, mais pas dans les yeux, dans le moustache et mais tout. C'est pareil, c'est la même coupe. Toi, tu l'as pas fait, moi j'ai fait le. La vérité, je sais pas te dire artistique ou pas artistique. Mes abonnés, vous pensez quoi? Artistique ou pas artistique? Wow! Regardez à la fin, les gars. Oh là là! Gros TikTok, hein! C'est ça mon TikTok, les gars. Allez, il est là le TikTok. Et capturé! Ouais. Capturé, les gars, capturé dans l'écran, les gars. Voilà, je les aime beaucoup. Voilà, ça va, grâce, tu vas bien? Le petit frère, la petite soeur, ils vont bien, tout le monde. Alhamdoulilah. Ça va? Alhamdoulilah, voilà, ça va. T'aimes bien la nouvelle musique et tout? C'est un morceau. Merci. Tous les jours. Merci beaucoup, merci. Un jour, j'étais à la piscine et c'était l'été, il faisait trop chaud. Je vais dire à ma tante, mon frère pour ramener des gros liasses. Tape, tu m'as pas kiffé la kahba. Wouh! Vive qui? Vive la télévision. Angie, il t'appelle dans la chambre. Va la voir. Je sais pas où là, il m'a dit appelle. Ouais. Je sais pas si c'est urgent non. Un jour j'étais à la
numéro 1 sur iTunes. Tu m'étales là. Wallah, Wazebi numéro 1. Oh là là. Oh là 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 là. Alhamdoulilah, merci beaucoup à vous les abonnés, mes abonnés, je vous aime. Oh là 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 là. Un jour j'étais à la piscine et c'était l'été, faisait trop chaud. Meuf Nina, mais tu dors avec les messieurs. Tu fais la vicieuse devant ta mère, tu caches la potion. Et quand t'es pas là, tu fais la fête à la maison. La... Donc, i4bdv66, l'adresse Snapchat de 4bdv sur Snap. Blanc, photo, quartier. Fait gris aujourd'hui, voilà. La famille, aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qui va vous révolutionner. Vous montrer le pack. Vous avez... J'en ai commandé 4 dans la famille. Tout ce que vous voyez sur la vidéo, la famille, ben c'est réel. Vous recevrez le pack et il est comme ça. La famille, il est 100% française, la marque. La famille, en plus de ça, il y a un code promo 40% 4BDV pour ceux qui veulent passer la famille. On va taper des pâtes à la bolognaise faites par MyJean, la famille. Brrr. On va taper des pâtes à la bolognaise. Wesh, il revenait quand celui-là? Il a spawn. On passe à la story de Michel Perpigne, son adresse sur Snap. Voilà, là je suis content de croiser un ami. Je viens de le croiser, ça fait longtemps. C'est quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans en tant que créateur pour Pablo Escobar. Mais croyez-moi, c'est bon. Nordine, tu as travaillé 15 ans pendant. En tant que guetteur pour Pablo Escobar. Oui. Fou. Et la fin, tu es devenu chef, c'est ça, non? Oui. Oh là là. Mais au début, quand tu étais guetteur, quand il venait le condé, quand l'autre il disait 1, 2, 3. Ara. Ara. Comment? Ara. Mais plus fort. Ara. Mais plus fort. J'arrive pas, frère. C'est déjà pas mal, hein. Mais franchement, l'ordine, t'es bon. Eh, voici le bon guetteur là. Voilà le quartier, toujours. Eh ouais. C'est toujours l'ambiance ici. Toujours. C'est toujours l'ambiance, il y a toujours du monde. Ça dort pas. Là, je crois, c'est la première fois que je vois ma femme à la placette. Pourtant, j'ai dit, il y a des hommes à la placette, il n'y va pas. Mais là, croyez-moi, ça va chauffer. Mimi? Mimi! Ah, excuse-moi, Maya, je te jure. Non, je te jure. Même, j'ai dit, ma femme a dit, c'est la première fois que je la vois à la placette, c'est impossible. Ah, tu me rassures. Mais franchement. Story de Kinaï Santiago 66, son adresse sur Snap. Vraiment poussé? Et ouais, ça a poussé un peu et tout, ça a poussé. T'as un projet cheveux longs comme ouais. Tunsi? Et ouais, c'est ça. Maya, c'est un vrai. Alors, t'es parti à la piscine avec ta gadji à canet et tout. Ouais. Tu vis là? Bah, je vis. Tu vis? C'est bon, tu l'assumes là? Je l'assume. Tu l'assumes. Commence à assumer sa femme, les gars, c'est bien. Po, il a ouais. Fait combien de vues ton clip? 1,5 million, je crois. En combien de temps? Un jour, deux jours. Ça fait plaisir, je suis fier de toi, mon frère. Merci. Un bon influenceur, futur influenceur qui vient. Quoi, mon frère, ouais. Fais-moi confiance, Kinaï. Tu vois, moi, ouais. Tu vois ce que j'ai fait à Nasser? T'as c'est réel, je devine les chiffres.
Tu devines les chiffres. Ouais, je devine les chiffres. Tu vas me faire ça à moi là. Ouais, je vais le faire à toi. Tu dis un chiffre entre. Tu cherches un chiffre entre 1 et 10, je vais le deviner. Vas-y, c'est bon, on va faire ça là tout de suite là. Arca, c'est bon, je me suis dit un chiffre dans ma tête. Vas-y, dis, c'est quoi? 4. 4? Ouais, 4. C'est 4? Ouais, 4, j'en suis sûr. C'est ça, frérot. Tu vois, je t'ai dit, mon gars, j'ai un talent. Alors, t'es content pour hier? Ouais, je suis content. T'es très content? Ouais, t'es le meilleur frère du monde. Tu me remercies ou pas? Ouais, je te remercie. C'est bon, t'es bien alors maintenant avec ta femme? T'es bien ou pas? Ouais. C'est bon alors, ça fait plaisir. Voilà la simplicité de Nasser. Voilà. À tout si, il fait payer le péage. Pas fan de ce qu'il a tourné. De lui, la simplicité de Nasser. La simplicité de Nasser, voilà. Kinaï. J'arrête Snapchat bientôt. J'ai pas peur de dire que dans quelques mois, la relève, ça va être lui. Un pur produit de Saint-Jacques. Une famille de chientés. C'est que le début, ma gueule. Ta gueule. Bon, je l'arrête. Là, vous comprenez très bien que c'est Ramzi qui est ici. Là, de retour à Perpignan. Kinaï est toujours là. Soyez up. Ajoute en force et ça va arriver très 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 fort. Un an à Perpignan, si tu n'as jamais vu. Donc, sois up. Je t'ai posé au quartier, tu m'as dit que tu veux faire une danse. Je veux faire une nouvelle danse. Une nouvelle? Ouais. T'as inventé une nouvelle danse? Vas-y, c'est bon, on va voir ça là. Tu vas regarder mon snap. Je vais les régaler. C'est bon. Tu vas voir. C'est bon. Il faut les coupables, y'a plus personne quand le coup ou pas. C'est des mythos, les un peu de soude, j'ai fait l'illuminer. On passe à la story de Samos tiré du milieu Team 66 en adresse sur Snap. Il est en boîte de nuit, il est marié, il est marié, il est marié. Pour la fête des mères les gars, le mood, parfumerie, venez ici, voilà. Le gros qui a ouvert, hein, donnez-lui la force. Non, 20 balles la coupe. 20 balles la coupe. Si. Oh, taille de coupe, hein. Eh ben, voyons, montre-moi la coupe, mais voilà, arrête de crier, c'est bon, hein. Voilà, la coupe, En fait, je me trompais. Tu veux combien? 20 balles. 20 balles? Je te donne 10 balles. Non, 20. C'est 20 balles la coupe, il y en a 20 balles, disons. Hein? 20 balles, 10 balles, si tu veux. Eh ben, je te donnerai. Oh, ouais, bah, d'accord, j'ai un chat. Ah, t'acceptes. Attends, je vais te dire un truc. Toi, tu fais qui te ressemble? T'as vu, c'est marqué X. X, Malcolm X, c'est ça ton... Hey, coupe. Hey, moi je suis Malcolm X, tu me coupes. Go. On passe à la story de Gatey avec 2 Y tiré du bas off son adresse sur Snap à côté du cercle jaune. Majin, tu me fais quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais faire des pâtes à la bolognaise. Oh là 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 là. Laisse tomber, bolognaise. Des pâtes à la bolognaise, si j'ai bien compris. Bolognaise. Ah, bolognaise. Ah, mais du coup, c'est quoi le. Entre pâte à la bolognaise et bolognaise, c'est quoi le. C'est l'italien. C'est quoi la différence? C'est une dire en italien en fait. Ah. Tout simplement.
On va écouter. Comme tu m'expliques pourquoi? C'est quoi que tu manges? Pourquoi là ça fait MV? C'est un truc de fou. Ouais, je suis en train de manger, ouais, je suis en train de fou. Oh, c'est un truc de fou. Un truc de fou. C'est pas un joyeux anniversaire. Tout le monde nous connaît. Mon cœur est vide, mais mon chargeur est comme mes poches. I know c'est me and the Jones, I know the reason like that. I bring in this order. Quand je t'ai vu la première fois. Donc toi là Momo, tu vas me dire, t'as tout claqué, t'as fait la teinture, tu t'es mis en costard, tu as mis les mocassins pour la demande en mariage et elle t'a dit non. Elle t'a dit quoi? Moi je peux la comprendre, ça fait 15 semaines. T'as fait comme un noir, il a tout claqué pour le combat. Il a fait une boule à zéro, il a fait la truc d'avatar, il est rentré en dansant sur du rail, ou du, ouais, du rail, et il a perdu au final. T'as fait comme lui, vous avez tout plaqué vous deux, au final vous avez perdu. Mon frère, tu me fais la morale, t'es mon frère. Vas-y, parle même pas avec moi. Non, viens, c'est bon. Mon frère, arrête là. Là, je suis pas bien là déjà, mon frère. Là, je suis pas bien là, voilà, je suis pas bien. Passe à la story de Célia, son adresse sur Snap c'est Medusa à 3434. Bon, je vais vous dire la vérité. Camille, elle va faire le pigeon voyageur de la maison. Mais, il faut la payer. 10 euros par aller-retour. Chambre, 10 euros, cuisine, chambre, 5 euros, ça va. Voilà, ça va, elle est pas chère. Hôtel. 1, 2, 3 bouteilles. Non mais regardez ce qu'on m'a offert. C'est trop mignon. Non mais passe à la story de Angie.chéri sur Snap. Voilà, on n'entend pas. Mais allez à Claire, mademoiselle voulait acheter des piercings. Non mais franchement, c'est dingue. J'ai pris une frappe les gars, je vais me faire percer le nez, c'est pas du tout prévu. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis venu? Pourquoi j'ai pas refusé? Ça te va trop bien. C'est fait, il y est. Attends, elle est trop bien. Je vais dire direct ce que je voulais faire demain au coiffeur. Je voulais faire les cheveux rouges. Oui, les cheveux rouges. Sauf que là, j'ai discuté avec ma coiffeuse d'amour, avec mes proches, et tout le monde me dit que c'est une super mauvaise idée. Mais moi, je suis toujours super convaincue que j'ai envie de faire les cheveux rouges. Donc dites-moi maintenant, c'est vous qui allez décider, est-ce que je reste Angie Blonde ou est-ce que je fais les cheveux rouges? Que faire? Est-ce que j'écoute la petite voix dans ma tête ou je prends pas de risque et juste je change mes extensions, je refais mon blond et un peu plus court? Dites-moi.
Bon, ça t'a brisé le cœur. Je pensais qu'elle était sincère, mais moi j'ai voulu lui laisser une deuxième chance quand j'ai dit la story à Nasdaq. J'essaie de lui laisser une dernière chance. Franchement, ça m'a fait de la peine parce que tu t'es tellement investi. Mais en tout cas, t'es en train de devenir un nouvel homme. Tous les jours, je te vois grandir, changer. C'est vrai. Et je suis trop fière de toi. Merci, grande sœur. T'inquiète. Merci. Si c'est pas elle, ça sera encore mieux, ok? J'espère que je vais tomber enfin comme toi. Bon. I like the way you kiss me. I can tell you miss me. On finit avec la story de Bison Blanc 66777, son adresse sur Snap. J'ai lu quelque part qu'on peut tout donner à quelqu'un, mais cela ne suffira jamais si on n'est pas celui de qui il veut recevoir. Et je jure qu'il n'y a rien de plus vrai. La famille, il y a Carcasse, lui et moi, on s'était fait une promesse, et la promesse elle est simple. Si on s'était promis de jamais, je dis bien jamais, en aucun cas, aller voir des femmes. Mais lui, je suis sûr, il a pas su tenir sa promesse. Et là, il est avec Nasdaq 2, j'ai sa localisation, je vais aller les chercher. Vas-y, chinois. Non. Faut se calater, ma gueule. Au pire, ouais, 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 vas-y, simple. Vas-y, chinois. On est arrivé ici, regardez, sa loc, elle nous amène là. Mais il n'y a personne. On a beau faire le tour, trouver, essayer, chercher, il n'y a personne. Putain. T'as vu, malgré que moi, j'ai un gros lobe. Oh, toi, t'es un mec archi bizarre. Tout petit le mien. Ah non, mais t'es bizarre. Ah, c'est quoi cette tenue que tu mets? Non, celle-là. Celle-là, elle est bien. Mais la story à tout le wesh. Ah, ça, c'est un secret, ça. C'est un secret. Un secret entre voisins. Il y a un truc que j'ai remarqué, Cappuccino, c'est que depuis West The Bee, oh, t'es beau gosse. Wallah. Ça se voit que t'as braqué l'assassin, mon frère. Wallah. Non, on a pas encore. C'est mytho. Il y a un truc que j'ai. Bon, la famille, je vous partage un compte Snap. Et ce compte Snap là, je vous l'ai déjà partagé il y a quelques temps. Lui, c'est simple, son domaine, c'est de la SAP. Allez voir, il est juste là-haut. Mon frère, c'est comme Mirage. C'est comme Mirage. 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 Un jour, j'étais à la piscine, si l'été faisait trop chaud. Un jour. Vidéo pour partager mon snap. Rajoutez-moi à Lenny de retour, les frères, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Casa Negra in a Porsche, like Dinam Home. Dans la tête, faut des millions. Donc voilà, c'était la story de Bison Blanc et les stories des membres de la team Nasdaq. Donc la plus grosse info, ben, c'est l'embrouille de Asia avec Farah. Et comme on a vu dans la story de Nasdaq qui est juste avant. Asia serait virée de la team Nasdaq, je sais pas s'il la vire ou pas, mais apparemment Nasdaq il a dit Snap c'est bien sympa et tout, mais dans la vie, il faut, dans la vraie vie, il faut respecter les gens, tout ça. Donc Farah très mal pris. Après, elle n'a pas perdu grand chose à pas aller dans le concert de Asia, le showcase. J'ai vu des images, j'ai pas enregistré malheureusement, mais c'était cette année, disque d'or dans tes bras, Cette année, le disque d'or dans tes bras. C'était horrible à entendre. C'était pas très joli à entendre le showcase. Maintenant, elle est restée à Marseille et elle est en train de partager tous ses collègues de Marseille, tout ça sur Snap. Voilà. Je pense qu'elle est, elle se perd un peu. Elle est un peu perdue. Donc. Peut-être qu'elle a le melon qui prend. Peut-être qu'elle a pensé que s'il rentre dans le public, il va y avoir des troubles. Tout le monde qui aime le rap, ils connaissent Nasdaq, tous ils vont aller voir Farah, tout ça. Et peut-être ça peut créer des troubles ou peut-être ça peut lui voler la vedette, on va dire. Voilà, que tout ce soit autour de Farah et les autres, Crevette, il y avait... 4B, il y avait 6 mètres autour d'eux et ils vont l'oublier, elle.
Elle voulait vraiment être la star du jour, peut-être, je sais pas. En tout cas, voilà, c'est que mon avis. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort. Après, ils ont abusé avec le cuisinier, là. Manger le plat de spaghetti en 1 minute. Mais c'est un sacrilège. Déjà qu'on ne mange pas tous les jours des spaghettis bolognaises faits maison. En plus, c'est trop bon. Quand j'étais petit, la bolognaise fait maison ou les lasagnes fait maison, c'était mon plat préféré. Tu dégustes, quoi. C'est vrai que je mange vite, moi aussi, mais pas en 1 minute. En 1 minute, t'as pas le temps de. Voilà, tu fais durer le plaisir du goût. Voilà, tu prends des petites fourchettes ou des grosses fourchettes, mais pas aussi vite. C'est un sacrilège pour moi, c'est du gâchis. C'est tellement bon la bolognaise. Après, le couscous aussi, c'est bon. Il y a plein de plats qui sont bons. Donc, voilà. Et le mariage du nouveau, ben, elle a refusé. Elle a dit que c'était trop tôt. Ça fait qu'une semaine qu'ils se connaissent. Donc, il est dégoûté. Et j'avais rêvé l'autre jour que je me mariais avec quelqu'un que. Avec quelqu'un que j'aimais bien. Et dans ce mariage, il fallait traverser un portail. Un portail d'une maison, je crois, d'un domaine, d'une maison. Et ça serait le mariage pour l'éternité, pour la vie. C'est bizarre. Et je sentais que ça y est, j'étais marié à vie. Donc, bon, après, on n'est jamais sûr de rien. Tu peux te marier aujourd'hui et ça peut divorcer demain. Et ça te prend la moitié de tes biens. Biting. Non, je sais pas. En tout cas. Nasdaq lui a proposé une pub et elle se casse. Donc, si elle aurait été que pour le buzz, elle aurait pris la pub et elle se casse. Moi, je pense que après, elle veut pas perdre la face. C'est un bad buzz, quoi, de prouver qu'elle était là que pour le buzz. Je pense que Nasdaq, il aurait dû être plus malin et lui proposer le partage sans contrepartie. Elle aurait fait peut-être 500 000 abonnés ou 50 000 ou 100 000 abonnés d'un coup ou 500 000. Et peut-être que là, il aurait observé si elle reste avec le nouveau ou si elle se casse, ou si elle trouve un prétexte. Je trouve qu'il aurait mieux fait. Voilà. Après, Michel n'a pas parlé de l'affaire Saya Mousse dans sa story, mais vite fait, il a juste mis un commentaire. Il a marqué « Je suis dans la merde ». Il s'est marié il y a 1 semaine avec Noelia. Et là, il a écrit à Saya. Saya ensuite lui a envoyé des photos d'elle. Donc, Michel va sûrement interdire à Saya Saint-Jacques. Il va lui interdire de poser les pieds à Saint-Jacques. C'est fort possible. Voilà. Et Nasdaq, qu'il a officialisé fin juin, il arrête Snap. Voilà. Début juillet, fin juin, le 31 juin, ou 30 juin, ou 31 juin, il arrête Snap. Donc, il y aura la relève. Donc, Kinaï. Kinaï qui est assez actif. Voilà, qui est souvent avec les frères Grasse, qui est souvent à Saint-Jacques, dans le barrio. Donc, il va souvent nous faire des stories. Toonsi aussi, Farah, 4B, et les nouveaux. Ce que j'appelle les nouveaux, c'est à partir de Mousse le Renoir, le Chinois. À partir d'eux, pour moi, c'est les nouveaux. Pour moi, les anciens, c'est Farah, Samos. Tout ça, Michel, Mousse, Mayel, Grasse, tout ça. Après Kenai, ouais, il était là depuis longtemps. Il était là depuis longtemps aussi. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et Lauriane Hall, Snap Plus, ça fait vraiment de la peine. Ouais, je l'ai vraiment rencontré pour de vrai. Lauriane, j'ai discuté vite fait avec elle. On a rigolé, ça a l'air d'être une fille super gentille, franchement. Ça a l'air d'être une fille super gentille. Je pense qu'elle mérite pas ça. Parce que des fois, tu montes haut et tu peux tomber très très bas du coup. Plus tu montes haut, plus tu tombes de haut, quoi. Donc ça doit faire encore plus mal, vous imaginez? Bah ouais, bah, parce que si tu tombes de bas, ça fait moins mal. Si tu tombes de bas. Donc là, ça doit faire très très mal. J'espère qu'elle va se relever et qu'elle va nous redonner au moins des nouvelles Lauriana, voilà.
Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.